Bonjour à tous, aujourd'hui est Toan numéro 14. Alors, le fascicule. Donc, nos pièces, nous allons monter une partie du châssis avant avec la suspension, l'arbre, tonnetteur supérieur de la fusée des cieux. Le bras de suspension, tout. Donc le pas à pas. Un petit reportage sur Bill Murray. Ils ont dit qu'il a recueilli 50% du succès au film à Murray. Demeurer des anecdotes. Et comme d'habitude, l'hecto 101. Et nos pièces du prochain numéro où on fait la même chose mais de l'autre côté. Alors, directement le montage. Donc, en premier, ils nous disent de prendre cette pièce-là, celle-là, on va mettre la petite tétine dessus. Voilà, donc ces deux pièces-là. Et de mettre deux vis EM. On met notre truc ici. On le met là. Notre pièce est mise. Ensuite, ils nous disent de prendre cette pièce-là et de la positionner ici et de la visser avec une vis GP. Ensuite, deuxième partie, assembler le bras de suspension supérieur. Donc on prend celle-là, celle-là, qui va aller ici. Et on maintient tout ça avec des vis EM à nouveau. Ensuite, glisser l'arbre dans l'extrémité la plus large du bras de suspension. Et là, encore avec des vis EM. On positionne comme ça. Ensuite, installer le bras sur le châssis. Donc, on récupère notre châssis monté au numéro précédent.
partie gauche. Donc il faut mettre les deux picots là, ici. On retourne. Et on fixe ça avec deux vis HMI. Ensuite, nous plaçons ça ici. On prend notre petite fixation. Voilà. Et on les visse avec des vis IM. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc ensuite, on prend le tambour de frein, qui est ici. Et cette pièce-là. On vient le mettre dedans. Pour faire venir les vis en face et tenir ça avec des vis EM à nouveau. On vient positionner la deuxième partie. Au-dessus. Et on fixe ça avec trois vis HP. Voilà. Donc ensuite, on vient fixer cette partie-là sur le châssis et on fixe ça avec une vis JM. Installer l'amortisseur, il faut relever le bras. On place notre amortisseur. Placez le ressort dans cet espace, puis remettez le bras de suspension dans sa position initiale. Vous sentirez l'instant du ressort pendant l'opération. Retournez l'assemblage et fixez le tonnetteur supérieur de la fusée d'essieu 14D. Là. Ah oui, et là, il faut qu'on vienne fixer ça comme ça. Et on fixe ça avec une vis IM.
Voilà. Ensuite, on retourne encore un nouveau. Et prenez amortisseur 14B. Donc, cette pièce-ci. On vient mettre dedans. On retourne encore une fois. Et on va la fixer là avec une vis HM. Ensuite, il faut assembler les crémaillères de direction donc on prend nos deux pièces qui nous restent celle-là et celle-là donc on les positionne ceci et on les visse avec une vis HM encore une fois. Donc, on reprend notre châssis ici. On vient positionner ici la crémaillère. On la retourne. Et on la visse avec une vis KM. Voilà. Donc notre numéro 14 est terminé. Je vous dis à demain pour le numéro 5 et 6 d'Iron Man et vendredi le numéro 3 de la fin de GT. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce. Au revoir.